Thank you.
l'organisation des pilotes cégep de Clifford est très heureux de vous accueillir à ce match de hockey division 1 du réseau des sports étudiants entre les Vulcains de Victoriaville et nos Filons. Voici quelques consignes à respecter. Nous vous demandons d'encourager vos équipes respectives et de faire preuve de respect envers l'équipe visiteuse. Il est strictement interdit de lancer quelque objet que ce soit sur la patinoire ou en direction des joueurs et officiel sous peine d'expulsion. Il est interdit de grimper sur la vitrine ou d'être juché au-dessus de celle-ci. Lors de l'entrée des joueurs ou lors de la sortie de celui-ci, vous devez laisser un couloir et attendre le passage de l'équipe avant de circuler au-delà des sorties prévues à cet effet. Merci de votre compréhension. Sur un but d'Abraham Fecteau. Ce soir, ben, d'un côté, on voudra en terminer chez les Vulcains, tandis que de l'autre, les Filons tenteront d'éviter l'élimination pour un deuxième match de suite et ainsi pousser la série à sa limite. Un cinquième match qui, s'il devait avoir lieu, serait présenté demain au centre, au pavillon Jean-Béliveau. Ce sera à compter de 15h30. Mais avant ça, ben les deux équipes ont rendez-vous ce soir et évidemment avec une mission identique, remporter la victoire. Dans un cas, ça mettrait un terme à la série, ça
qualifierait les Vulcains pour la série demi-finale et finale, le championnat Division 2 qui sera disputé la semaine prochaine à Drummondville. Quatre formations qui y participeront. Ce sera un match de demi-finale, un match de finale pour l'or et un match de consolation pour la médaille de bronze. Alors que du côté des Filons, on l'a déjà mentionné, ben, on joue sa survie ce soir. On tente de prolonger la série et de forcer un cinquième match demain. Dans cette série, des punitions qui ont été très coûteuses. Les Filons ont inscrit pas moins de 7 de leurs 8 buts en avantage numérique. Tandis que les Vulcains ont marqué 5 fois sur leur jeu de puissance. C'est donc dire que les deux équipes devront demeurer disciplinées. On a assisté à plusieurs infractions dans les 3 premiers matchs. Et ce soir, ben, le mot d'ordre de la part des deux entraîneurs, c'est très certainement de demeurer sur la patinoire. Les Filons, de leur côté, doivent donc trouver une moyenne marquée à 5 contre 5. Eux qui n'ont qu'un seul but à égalité numérique depuis le début de la série en 3 matchs. Donc, si on a profité du jeu de puissance chez les Tête-Verdois, ben, faut trouver le moyen également de marquer à forces égales. Ce que les Vulcains, eux, ont réussi, autant le jeu de puissance a produit que les unités à forces égales. Côté gardien de but, ben, Nicolas Boucher du côté des Vulcains a fait confiance à Ludovic Boisvert depuis le début de la série. Ce soir, il fera appel à Justin Houle. C'est ce dernier qui sera devant le filet pour les Vulcains ce soir. Alors que son vis-à-vis de Toby Lafrance, je parle de vis-à-vis de Nicolas Boucher, l'entraîneur donc des Filons de Nicolas, Toby Lafrance, lui, il est allé avec Mathis Vigneault dans les matchs 1 et 3 et il revient avec celui-ci pour le match de ce soir. Il y a déjà 2 autres rencontres complétées dans le circuit collégial de Division 2 cet après-midi. Et au niveau des résultats, ben, les pionniers du cégep de Rimouski, qui, à la surprise un peu générale, faisaient face à l'élimination face aux dynamiques du cégep de Sainte-Croix, ben, ils ont résisté. Et de magistrale façon, une victoire de 11 à 4 des pionniers qui passent donc la tenue d'un 5e et décisif match. Ce sera demain chez les Rimouskois. Donc, ils vont recevoir les dynamiques pour le 5e et dernier match de cette série. Il y a une série qui a pris fin, celle opposant les cheminots de Saint-Jérôme aux dynamiques du collège Jean Drébin. Les cheminots qui l'ont emporté 6 à 1 et qui remportent donc la série 3 à 1. Ils sont la première équipe à obtenir leur laissez-passer en vue des demi-finales et finales qui seront donc présentées en fin de semaine prochaine à Drummondville. Il y a un autre match également à l'affiche qu'on suivra pour vous ce soir qui oppose les Patriotes du cégep Saint-Laurent qui mènent 2 à 1 dans leur série face au boomerang du cégep André-Laurando. Donc, les Patriotes, à l'instar des Vulcains, pourraient également obtenir leur billet, leur laisser passer pour la dernière ronde, demi-finale et finale. Bref, on devrait avoir droit à un excellent match ce soir. L'enjeu, il est important des deux côtés, chaque équipe qui veut l'emporter. Et ce ne sont que les spectateurs qui en seront les grands gagnants. Alors que la période d'échauffement tire à sa fin, on va y aller avec les alignements de départ dans quelques instants. Après quoi, ce sera la première mise en jeu du match de ce soir. Une intéressante foule déjà qui a pris place dans les gradins, ici au centre sportif Renaud Fournier, secteur Black Lake, à Thetford Mines. Les Vulcains qui comptent également leur part de partisans ce soir. Plusieurs qui ont fait le déplacement de Victoriaville jusqu'ici pour encourager leurs favoris. Des deux équipes qui vont d'un dernier cri d'encouragement autour de leurs filets respectifs. On sera en mesure d'entreprendre le match dans quelques instants. Mais tout d'abord, avec l'annonceur maison, on assistera au dévoilement des alignements de départ. Les Vulcains qui, en saison régulière, ont terminé au 2e rang de leur division avec 37 points. Les Filons, qui eux ont occupé le 3e rang. Les pionniers de Rimouski jouent
vous mentionnais il y a quelques instants, qui faisait face à l'élimination cet après-midi, avait occupé la première position. Pour les Vulcains, en défensive, l'excellent Thomas Défossé sera là au départ. On retrouvera également le numéro 13, Tristan Francoeur. Le numéro 19, Anthony Côté sera là également. Un autre excellent attaquant, le 79, diminutif, mais fort rapide, William Bellan. Et enfin, pour compléter la paire en défensive, le 88 de Matteo Castonguet. Et devant le filet pour une première fois dans cette série, le numéro 31, Justin Houle. Fiche de 8 victoires, 4 défaites en saison régulière. Moyenne de buts alloués de 1,93 et d'efficacité de 904. Maintenant, du côté, les filons du cégep de Bedford. Le numéro 11, Mathis Vachon. En défensive, on retrouvera le numéro 17, Callum Renault. Son compagnon à la ligne 2 également, le numéro 22, Antoine Denoncourt. Le 92, Alexis Saint-Laurent. Et finalement, le numéro 97, Nathaniel Pépin, qui va compléter le trio. Alors que devant le filet, on va retrouver le numéro 35 pour un troisième match dans cette série, Mathis Vigneault. Les deux équipes qui vont maintenant prendre place à leur ligne bleue respective pour l'interprétation de l'hymne national. En territoire Tetfordois. Renault laisse le disque pour Denoncourt. On va tenter la sortie de territoire. Un long relais intercepté au centre par Castonguet qui remet à Défossé. Le Défossé en direction de Francoeur. Saisit le disque. Francoeur qui tire dans le coin de la patinoire. Denoncourt sera là le premier, mais il ne peut soutirer le disque à Bélan toutefois. Rondelle qui va quitter le territoire. On revient au centre. Rapidement, les Vulcains qui tentent d'imposer leur rythme en ce début de match. Déjà un premier changement au banc du côté des Vulcains. C'est Bélan. Il a aperçu Roux, le tir du capitaine. Roux qui se fait voler. Il se fait en sortie, qui sera remis du côté de Tetfordois. Saint-Laurent en tête. Tente de remettre le disque pour son coéquipier Pépin, mais intervention en défensive et un solide contact derrière le filet des Vulcains. Contre-attaque avec Roux en tête. Roux, un tir, l'arrêt de Vigneault. Rondelle qui bondit dans le coin de la patinoire. C'est libre et le dégagement ira jusqu'à l'autre bout. Ce ne sera pas refusé. On remet le disque pour Marquis. Marqué à l'intention de Roux dans le coin de la patinoire, par la rampe pour son coéquipier.
qui encaisse une mise en échec, mais on réussit la sortie néanmoins du côté de la chance. Rondelle dirigée à la gauche du gardien Vigneault. On organise la sortie territoire avec Hébert, un tir de loin. Rondelle qui est libre derrière le filet. Le premier rendu était Bugeaud. C'est conservé à l'intérieur du territoire des Vulcains, mais finalement sorti jusqu'à la ligne bleue. Tetfordoise. Rondelle rabattue au vol. C'est repris par Dumont. Tente de déborder le défenseur. La chance. Conserve le disque le long de la rampe. Tente de le ramener devant. Accroché. Mise en échec. C'est Tardy qui a tenté de poursuivre les efforts de son coéquipier. Rondelle qui sera maintenue à la ligne bleue par Mathieu. Un tir dans le coin de la patinoire. C'est Tardy qui travaille aux dépens de son rival. Ça permet à son coéquipier de reprendre le disque le long de la rampe. Et ça revient en direction de Tardy. Il contourne le filet. Cherche une option. Conserve le disque. Le laisse derrière lui. C'était pour Dumont cette fois. Dumont en direction du coin opposé. Ça revient pour son coéquipier Fecteau. C'est lui, Fecteau, qui avait mis un terme au débat vendredi, samedi dernier, dans la victoire en prolongation des filons. Un premier arrêt de jeu après 2 minutes 4 secondes. Ça met le ton sur ce match avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rapidité. Les deux équipes qui ne veulent pas s'en laisser imposer en ce début de rencontre. Mise en jeu à la droite du gardien Hall. On a bougé rapidement. On devra céder sa place du côté de Bénan dans le cercle de mise en jeu. C'est Francœur qui va s'amener. Et ça va permettre justement à Bénan de s'emparer du disque rapidement au centre. Entre en zone adverse. Bénan tente de rejoindre son coéquipier côté. Ce dernier qui est entraîné dans le coin de la patinoire. Tente d'échapper à son couvreur de non-court. Mise en échec par de non-court. Rondelle débattue le long de la rampe. Bénan va récupérer. Laisse à Francœur. Francœur contourne le filet. Veut remettre devant. C'est l'intervention de Denoncourt en défensive, mais directement sur le bâton de Francœur qui tente de tirer dans une cage qui était presque abandonnée. Les filons qui l'ont échappé belle là-dessus. Une belle occasion de marquer pour Francœur. Bénan laisse à ce même Francœur. Finalement, intervention en défensive. Et on va tenter de relancer l'attaque avec Majot en tête. Un tir de loin, ça longe la rampe derrière le filet et ça va revenir jusqu'au centre. Il n'y a pas de dégagement refusé puisqu'évidemment, ça avait été tiré par les joueurs des filons. Mise en échec de Bugeaud, c'était aux dépens du défenseur Félix Mathieu. Rondelle qui est déviée dans le coin de la patinoire. Mathieu contre Richard maintenant. Il y a Tousignan qui est là également. On est à 4 pour la position du disque. Richard qui trébuche, se relève. Rondelle qui est immobilisée entre plusieurs patins. Finalement, ça va quitter le coin. Charbonneau, relais latéral à l'intention de Poulain. Poulain qui évite la mise en échec. Un tir de loin. Retour qui appartient à Marquis. Et la rondelle qui va quitter le territoire des Vulcains. On va revenir jusqu'en zone Tetfordoise. Au centre. Jeu intercepté par Mathieu. Mathieu qui s'avance. Un seul défenseur pour lui faire face. Tire qui était bien dans le coin. Testoula en direction de Charbonneau. Et c'est conservé à la ligne bleue. Retour dans le coin. C'est pour Mathieu. Plaqué par Testoula. Rondelle qui est récupérée cependant par le capitaine Roux. Roux qui, dans sa manœuvre, perd le disque. Ça va glisser jusqu'en territoire adverse. Et ça permet à l'entraîneur Toby Lafrance du côté des filons d'apporter des changements à sa formation. 4 minutes écoulées à cette première période. Ça se déroule rondement avec Hébert dans son territoire, mais jeu intercepté. C'est repris par Gilbert, perdu par celui-ci. Pépin qui a tenté de récupérer au centre, mais en vain. Ça revient du côté de l'arrivée. C'est jeu intercepté. On a chuté du côté de Bugeaud. On s'avance du côté des filons. Un tir repoussé. Rondelle qui est conservée en territoire des Vulcains. On a mis à l'épreuve le gardien Justin Hull chez les filons. Un tir de Bolduc. La ligne bleue s'est déviée, bloquée et le retour dans le coin de la patinoire va permettre la sortie du côté de Gagnon. Un bon contre la rampe et on ne court aucun risque du côté de Mathis Vigneault. On conserve le disque et ce sera une remise en jeu en territoire des filons. Tout ça avec 4 minutes 35 d'écoulée. À cette première période, j'ai dit une remise en jeu qui aura lieu en territoire des filons, mais non, c'est un dégagement qui a été refusé aux Vulcains. On va donc reprendre à la gauche ce gardien Justin Hull. Dumont est là à la mise en jeu face à Bénan. C'est remporté par le joueur des Vulcains. Et c'est lui, Bénan, qui va tenter d'avancer la sortie avec Francœur qui remet à côté. Côté freine brusquement, cherche une option. Ça ira en direction de son coéquipier et on voulait remettre à nouveau à Francœur. Jeu qui est intercepté. On reprend cependant côté. Plaqué par Dumont. Tardy dans le coin. Reprend le disque. Tardy par la rampe. Une remise qui ne trouvera pas preneur et on va retourner le disque du côté des Vulcains jusque
vers Renault. De Renault à son coéquipier qui va lui retourner. Callum Renault amorce la sortie. La remise est un peu longue pour Dumont qui n'a pu saisir. On devra reprendre le tout à nouveau à partir de l'arrière du filet. À nouveau, c'est vers Renault. Callum Renault passe du revers pour Denoncourt qui ne s'y attendait pas. Et c'est Richard qui va en profiter pour retourner le disque à nouveau derrière le but. Autre tentative, celle-là avec le capitaine Tardy. Laisse pour Denoncourt. Denoncourt attendu. Remet à nouveau vers Tardy. Sortie laborieuse du côté de Thetford, finalement jusqu'au centre. Mise en échec devant le banc des filons. Rondelle qui va revenir en territoire Thetfordois. Callum Renault. C'est saisi par Félix Hébert. Un long détour de Hébert. C'est pour Denoncourt qui voulait lui retourner le disque, mais finalement, bien, ça ira plutôt en direction de Duchamp. Un tir d'un angle fermé, ça provenait de Richard. Et... voyant le danger, Mathis Vigneault conserve dans sa mitaine, ne cède aucun retour là-dessus. Il y aura remise en jeu avec 5 minutes 55 d'écoulée dans cette rencontre. Rondelle qui est déposée. La chance au départ, il va d'un tir, ça rate la cible, cependant. Majot sur le retour, du revers, en direction de Fecteau, qui n'a pu saisir toutefois. Ça revient pour Roux. Roux, une feinte en entrée de territoire. Perd le disque aux mains de Hébert, qui va le refiler pour son coéquipier Majot. Et on organise l'attaque. Majot, en territoire adverse, laisse derrière lui. C'était pour Bolduc, mais confusion et ce sera contre-attaque à 2-2. Entrée en territoire Thetfordois, le tir et l'arrêt avec la mitaine à nouveau de Vigneault. Vigneault qui ne peut pas permettre aux Vulcains d'avoir de longues séquences en attaque. Tente de conserver toutes les rondelles dirigées en sa direction. 13 minutes 38, c'est le temps à faire en première période. Toujours l'égalité 0-0. Millette à la mise en jeu pour les Vulcains. C'est lui qui va l'emporter. Rondelle qui est maintenue tout juste à la ligne bleue. On retourne le disque derrière la ligne des buts. Hébert. La remise est réussie. Ça revient à Hébert. Par la rampe, c'était tenté vers Pépin. On a voulu remettre à Saint-Laurent, mais Saint-Laurent qui ne s'y attendait pas. Ce sera cette fois un dégagement qui sera refusé aux Vulcains. On devra reprendre en territoire les hommes de Nicolas Boucher. Boucher qui a déjà dirigé les filons des 1 ici à Thetford Mines il y a quelques saisons. Et on est prêt à reprendre. On tente de remettre la rondelle en jeu. C'est fait. Rondelle qui est débattue le long de la rampe. On remet à Renault à la ligne bleue son tir qui rate le filet. C'est Côté qui va tenter de s'emparer du retour par la rampe. Un dégagement. Ça glisse jusqu'au centre. Bélan a tenté de rejoindre Francard, mais intervention défensive de Renault. Cède le disque à Pépin. Ça passe lui intercepté par Castonguay. Et ça revient vers Denoncourt. Au centre maintenant. Rondelle qui est perdue. Reprise. Oui, on était déjà à l'intérieur du territoire. Francard qui était là lorsque Côté est parvenu à entrer en zone adverse. Des changements apportés par les deux entraîneurs. On envoie de nouvelles forces dans la mêlée. Ce sera Tousignan à la mise en jeu. C'était face à Duchamp. On s'échange le disque entre les deux arrières du côté des filons. C'est intercepté par l'éveillé. Sa remise un peu longue. Ça va se diriger jusque derrière le filet. Et on décide du côté de Vigneault de ne courir aucun risque. Il mobilise le disque et le conserve en sa possession. Faire une remise en jeu et ça, ça va permettre à l'entraîneur des Vulcains d'apporter à nouveau des changements et il sera imité par son vis-à-vis de Villafranche qui réplique également avec 5 nouveaux joueurs dans la mêlée. Tardy Bélan, ou plutôt Dumont Bélan, à la mise en jeu. On va demander à Bélan de céder sa place. C'est Francard qui s'amène au point de mise en jeu. Remporté par celui-ci. Castonguay s'empare du disque. Quitte sa position de défenseur. Contourne le filet. Castonguay cherche une option. Remet en direction de Bélan. Le tir de ce dernier est bloqué devant le filet. Le retour qui appartient à Côté. Plaqué le long de la rampe par Tardy. Ça revient dans le coin. Puis à la pointe. Vers défaussé, mais ça a touché son patin. Et on devra se réorganiser à partir du centre chez les Vulcains. Rondelle déviée dans le coin. Le premier rendu sera Bolduc. Bolduc par la rampe. C'était derrière son capitaine, de sorte que c'est Castonguay qui reprend la ligne bleue. Un tir qui est bloqué devant le filet.
bataille pour reprendre la possession. C'est Justin Hébert qui s'en empare. En direction de Félix Hébert maintenant. Il y a deux contre un, peut-être Tedford devant le filet. Un tir qui ne viendra finalement pas. Une belle occasion qui se présentait pour les Filons, mais on n'a pas été en mesure de capitaliser là-dessus. Sortie de territoire, les Vulcains maintenant. En direction de Francœur. Pour Bélan. Bélan, le tir de but! Et les Vulcains qui prennent les devants dans ce match. Alors qu'on venait de rater une belle occasion chez les Filons à l'autre bout. Contre-attaque rapide. Et Bélan qui complète la manœuvre. Donne les devants 1 à 0 aux siens. Mais assurément, William Bélan qui brise la glace, donne les devants aux siens, un but qui survient à 8 minutes 12 secondes. Et on reprend au centre. Ça revient vers Fecteau, au centre. Fecteau, un tir dans le coin, c'est à la droite du gardien Will, ça revient tout près de lui. C'est libre maintenant derrière le filet. On tente d'en prendre possession de part et d'autre. Fecteau est là du côté des Tedfordois. Veut remettre dans le demi-cercle, mais intervention de l'autre. Défenseur, pardon, des Vulcains. Ça revient au centre. Mathieu, un tir qui va longer la rampe. Sortie du gardien Hull derrière son filet. Intervention de celui-ci au profit de Marquis. Les rondelles est libre au centre. Le premier sera Mathieu qui va tout simplement d'un dégagement avant de rentrer au banc des siens. Ça permet à Testoula de reprendre. Testoula. La remise acceptée par Bonhomme au centre. Victor Bonhomme entre en zone adverse. Se défait du disque rappelé au banc par son entraîneur. Alors qu'Abraham Fecteau se lance à la poursuite du joueur qui est en position du disque. Mais la rondelle qui disparaît chez les spectateurs. Allons voir au sommaire si on a inscrit le premier but du match. L'œuvre de William Bélan, déjà son sixième des séries. Des aides à Julien Lachance et à Tristan Francœur à 8 minutes. 12 secondes. Saint-Laurent tire de loin. Sortie de Hull derrière son filet. Pépin qui tente de s'emparer du disque. Ça ira en direction de Bolduc. Finalement, ben, intervention en défensive. Et ce sont les Vulcains qui vont dégager leur territoire à l'autre bout. Ce sera saisi par Justin Hébert. Hébert. Une longue passe a été effleurée par Saint-Laurent. Ça va se rendre jusqu'au gardien qui ne peut conserver le disque cependant à sa possession. C'est repris par Cousignan vers son coéquipier. Et finalement, c'est Pépin qui intervient pour soutirer le disque à tout ce monde-là. Et ça va forcer le dégagement de la part de Gagnon jusqu'à l'autre bout. Un geste qui sera refusé aux Vulcains. On devra reprendre dans leur territoire les Vulcains qui viennent de prendre les devants 1 à 0 sur le sixième de la série de William Bélan. Et c'est lui qui est déjà de retour dans la mêlée. Il va s'installer au cercle de mise en jeu face à Elliott Dumont. À nouveau, c'est remporté par Bélan. On est à la mi-première période. 10 minutes exactement à écouler. Francœur. Remise du revers. C'est accepté par Desfossé. Tire de loin. C'est repoussé par Vigneault. Le retour qui appartient à son capitaine Tardy. Dégagement de celui-ci jusqu'à Castonguay. De Castonguay à Bélan. Et pour Francœur maintenant. Francœur qui perd le disque aux mains de Dumont. Ça permet à Denoncourt de reprendre pour laisser à Renault. Ça revient vers Denoncourt. Et maintenant pour Tardy au centre. Et là, on a fait sauter les patins à Dumont. C'est Côté qui sera chassé. Ce sera avantage numérique. Tedford, punition en retardement des Vulcains. Côté qui sera chassé. Pendant ce temps, c'est Renault qui cède le disque pour Félix Mathieu. On est à 6 patineurs dans la mêlée du côté des Filons. Fecteau tente de protéger le disque le long de la rampe. Encaisse sa mise en échec. Et lorsqu'on touche au disque du côté de Roux, on entend le coup de sifflet. Ce sera un premier avantage numérique ce soir. Il appartiendra aux Filons qui vont tenter de créer l'égalité. C'est une punition décernée à Anthony Côté. Ça survient 10 minutes 48. Belle occasion qui se présente au Filon pour tenter de créer l'égalité rapidement après ce premier but des Vulcains. Les Filons qui, rappelons-le, ont inscrit pas moins de 7 buts en avantage numérique depuis le début de la série. 7 de leurs 8 buts, d'ailleurs, inscrits sur le jeu de puissance. Fecteau entre en zone adverse et on a jugé qu'il était déjà
à l'intérieur de la ligne. Lorsqu'il a accepté le relais. 12 secondes se sont écoulées à la punition de côté. 9 minutes exactement à écouler en première période. Pépin face à Mathieu à la mise en jeu. C'est remporté par Pépin. On retourne le disque vers Fecteau. Un peu long pour ce dernier. C'est repris par Desfossé. Ça sera conservé cependant par Bolduc à la ligne 2. Permutation avec Hébert qui lui retourne le disque. Le tir de Bolduc. Ça a été dévié devant le filet. Rondelle qui est libre et ce sera dégagé à l'autre bout. Rapidement, Bolduc doit prendre possession du disque. Il était pourchassé par Mathieu. Mathieu qui va finalement décider de rentrer au banc des siens, rappelé par son entraîneur. Pendant ce temps, on organise la prochaine sortie de territoire. Ça revient du côté de Bolduc, ou plutôt de Majot. Majot traverse le centre, entre en zone adverse, c'est défait du disque. C'est Marquis qui veut récupérer, c'est fait. Laisse maintenant pour l'éveiller et le dégagement de ce dernier sera bon jusqu'à l'autre bout. Une minute maintenant au jeu de puissance des filons. Callum Renaud, une feinte. La remise est bonne pour Tardy. C'est lui qui entre en zone adverse. Tardy, un relais devant le filet. Le tir du revers, c'était de Saint-Laurent, celui-là. À la ligne bleue pour Renaud maintenant. Tente de s'avancer. Cherche une ligne de passe. Finalement, conserve le disque. Le relais à Dumont à la ligne bleue. Ça revient vers Renaud dans le cercle de mise en jeu. Dans l'enclave, le tir sur réception. C'est bloqué en défensive. Et la rondelle qui va quitter le territoire. On revient au tour de Félix Hébert maintenant. Avec 25 secondes à l'avantage numérique. C'est bloqué à la ligne bleue. On doit revenir à nouveau à sa propre ligne bleue. Renaud, cède le disque pour Tardy. Tente de déborder le défenseur, se ravise, freine. Retourne le disque à la ligne bleue de Renaud. À Félix Hébert, à Renaud à nouveau. On s'avance, le tir bloqué. Retour qui est libre et c'est dans le demi-cercle finalement. Ça va coûter et ce sera... Au même moment, la sortie de côté à 2 contre 1 en compagnie de Roux. La remise de ce dernier, c'était pour côté, mais c'était trop peu, trop tard. Rondelle qui est libre. C'est dégagé par Tardy. Ça a constitué une remise pour Hébert qui a reçu de Dumont le tir tout juste par-dessus la barre horizontale. Les filons qui tentent de mettre de la pression là, en territoire ennemi. Derrière le filet, solide mise en échec de Dumont. Et c'est la sortie de Bélan à 2 contre 1 en compagnie de Roux. Bélan, la remise à Roux sur réception, le tir qui était partiellement raté. Roux qui n'a pas réussi à tirer avec toute la vigueur désirée. Bataille dans le coin, le long de la rampe maintenant pour la position du disque. Et c'est Côté qui va s'en emparer. Laisse à Francoeur. Maintenant pour Castonguay. Tir du poignet, c'est dévié. Et ça bondit dans le coin. Mise en échec aux dépens de Bélan, mais c'est l'arrivée qui est intervenue. Sans faire du disque, le tir de ce dernier est bloqué. Et on s'amène à 2 contre 1. Dumont, un seul défenseur, c'était Castonguay. C'est lui qui va reprendre le disque jusqu'au centre. Bélan se contente de retourner le disque chez l'adversaire. Des changements commandés au banc par son entraîneur. Testoula, pas beaucoup d'arrêts de jeu jusqu'à maintenant. Défaussé sans perdre du disque à sa ligne bleue. Remet pour Tousignan au centre. Entre en zone adverse. Tousignan aux collisions avec son rival Poulain. Disque conservé cependant par les Vulcains, mais ça vient de quitter le territoire en jeu à retardement. Ce sera annulé avec la sortie de Tousignan. Punition à retardement et ce sont les Filons cette fois qui ont été pris en défaut. Les Vulcains qui, à leur tour, auront l'occasion de déployer leur attaque massive. Punition décernée au numéro 91, Jacob Poulain pour assaut. Selon le geste de l'officiel, avec 5 minutes 42 à écouler au cadran en première période, les Vulcains qui mènent 1-0 sur le 6e de la série de William Bélan. Roux sera là en compagnie de Gilbert qui va s'installer au point de mise en jeu. Ce sera complété par Gagnon et au point d'appui, l'arrivée est l'éveillé. L'éveillé s'empare du disque. Ennuyé par la présence de Pépin, remet pour l'arrivée. De l'autre côté maintenant, Gagnon laisse le disque à Gilbert. Derrière, échange entre les deux joueurs de pointe. Le tir de l'arrivée, ça a été bloqué. Ça appartient à l'éveillé sur le retour cependant. On retourne en direction de l'éveillé. Une hésitation à l'arrivée et de nouveau pour l'éveillé. Pendant ce temps, on tente de nuire au travail du gardien Vigneault. L'éveillé. Elle est arrivée, le tir, c'est but! En avantage numérique! Les unités spéciales qui ont eu un rôle important tout au long de cette série.
série. Ça se poursuit ce soir. Première occasion en avantage numérique pour les Vulcains et ça rapporte un deuxième but inscrit à 15 minutes exactement dans cette première période. Alors que la punition de Jacob Poulin avait cours. D'inscrire le deuxième but. On attendra un prochain arrêt de jeu pour vous en faire part. Sortie qui s'organise du côté de Tedford. C'est Saint-Laurent qui perd le disque. Ça ira vers Marquis en défensive chez les Vulcains. Marquis, talonné, remet le disque via la rampe jusqu'à la chance. Intervention cependant de Vachon du côté des Filons. Ça revient à Marquis. Marquis pour Roux. C'est lui qui va amorcer la sortie. La remise pour l'éveillé. L'éveillé contré par Hébert. L'éveillé qui chute. Rondelle qui est débattue dans le coin. Une autre punition. Et à nouveau, ce sera les Filons qui seront chassés. Alors que on peut vous confirmer le deuxième but des Vulcains. Le premier dans cette série de Noah à l'arrivée. Des aides à son coéquipier Hugo l'éveillé. De même qu'à Félix Gagnon. Alors que c'est Mathis Vachon qui vient d'être chassé pour les Filons. Rien pour améliorer les chances des Filons. Eux qui tirent derrière par deux et concèdent un autre avantage numérique aux Vulcains. Mission importante là, du côté Tetrodois en particulier. Ça ira à défausser au départ à la ligne bleue, perd le disque cependant. C'est Victor Bonhomme qui va le retourner à l'autre bout. Il va tenter lui-même de récupérer. Ça force la course entre lui et défausser. Remporté par défaussé. Le numéro 8 des Vulcains qui s'empare du disque. Transporte lui-même à sa ligne bleue. Remise arrière pour Castonguay. Relais en direction de Bélan, auteur du premier but dans le match. À Francoeur maintenant. Francoeur de l'autre côté. À Castonguay. Castonguay qui va retourner en direction de Mathieu. Derrière le filet, on s'échange de disque. On a tenté de ramener le disque dans l'enclave. C'est fait, le tir de Mathieu. L'arrêt. Rondelle qui est retournée dans le coin. Mathieu sur son revers. Encaisse la mise en échec de Bolduc. Et c'est lui-même, Bolduc, qui va tenter la sortie. C'est complété avec Charbonneau maintenant. Charbonneau se contente de compléter le dégagement. Va rentrer au banc des siens. On a près de la moitié de la pénalité de Vachon découlée. Castonguay entre en zone adverse. Castonguay conserve le disque. Freine cherche une option. Conserve et finalement, c'est Testoula qui va reprendre le disque. Derrière son but, Testoula par la rampe. Un dégagement qui sera bon jusqu'au centre. Défaussé revient dans son territoire. Laisse à Castonguay. À Bélan maintenant, c'est lui qui entre en territoire ennemi. Bélan s'y arrête. Attend l'arrivée d'un coéquipier. Finalement, décide de remettre le disque en direction de Mathieu. Ça revient à Bélan. À l'arrivée pour Castonguay maintenant. Castonguay, un relais qui était tenté vers Bélan. Bien pensé, mais intervention en défensive de Fecteau. Fecteau, il a aperçu son coéquipier. C'était pour Poulin. Le tir de dernier, il a été accroché. La foule qui réclame une punition qui ne viendra pas. Et il y a plusieurs partisans là, qui ne sont pas heureux de la non-décision de l'officiel. 15 secondes avant le retour dans la mêlée de Mathis Vachon. 2 minutes 30 à faire la période. Rondelle immobilisée dans le demi-cercle par le gardien Justin Hull qui ne cède pas de retour là-dessus. 2 à 0 toujours les Vulcains. Il y aura remise en jeu dans leur territoire avec 9 secondes d'avantage numérique. On aurait bien voulu, chez les partisans des Filons, qu'on appelle une infraction alors que Poulin avait été partiellement accroché. On a bougé rapidement et ça va forcer un nouveau joueur à venir s'installer au point de mise en jeu. Ce sera Gagnon et rapidement, on s'empare du disque du côté de Millette. Une remise arrière à Gilbert, bien joué défensivement cependant par Denoncourt. Tente de récupérer le disque. C'est conservé par Gagnon à la ligne bleue. On est de retour avec des formations complètes à 5 contre 5. Moins de... En fait, 2 minutes 5 à écouler à la période. Un relais en direction de Félix Hébert. Vers Tardy maintenant, on aimerait bien du côté des Filons inscrire au moins un but et réduire l'écart avant de rentrer au vestiaire. Cependant, bien, ce ne sera pas pour tout de suite puisque c'est sorti du territoire, les Vulcains. Un tir de loin de Gagnon par-dessus la cage. Retour qui ira vers Callum Renault. Et maintenant, Alexandre Tardy.
Une feinte de celui-ci. Tardier transporte au centre. Tire de loin. Devancé par Défossé. Il va le mettre en échec. Défossé qui poursuit sa manœuvre néanmoins. Une rondelle qui demeure en territoire des Vulcains. Ce sera finalement la sortie avec Normand Pied. Et le faible tir de ce dernier sera conservé par le gardien Mathis Vigneault. Il y aura donc remise en jeu à sa droite avec 1 minute 23 à écouler à la première période. Les buts de William Bélan et de Noah Larrivé qui ont procuré une avance de 2 à 0 aux visiteurs ce soir. Les Vulcains qui mènent 2 à 1 dans cette série qui pourraient bien rejoindre le carré d'as avec une victoire ce soir. Disque transporté par Justin Hébert. Hébert pour lui-même. Reprend le disque sur son revers. Tente de remettre dans l'enclave. C'est fait, mais personne pour compléter. Ça ira à la ligne bleue. Un tir qui rate le filet. On tente de récupérer le retour. Ce sera en direction de Renault qui a quitté son poste de défenseur. Mais finalement, Bélan est plutôt côté frappé devant le banc des Vulcains. Les mises en échec là, qui seront plus nombreuses. La remise de Renault, un peu erratique. Ça va se retrouver en territoire Tedfordois, où ce sera repris par Justin Hébert. Hébert transporte. Relais qui est effleuré par Pépin, mais ne peut en prendre le parfait contrôle. Ce sera fait par Larrivé. Larrivé. Un dégagement jusqu'au centre. Échange entre les deux arrières des Filons. C'est Bolduc avec une trentaine de secondes à faire à la période. Rondelle qui est débattue le long de la rampe. Ce sera conservé pendant un certain temps par Bonhomme. Oui, réussi à remettre un peu plus loin pour son coéquipier Rémi Majot. Rondelle qui est conservée en territoire de Victoriaville. Larrivé. Contre Bonhomme qui lui soutient le disque. La remise de Bonhomme à Bolduc. Un tir. Ça a été touché devant le filet. Et le retour qui appartient à nouveau au Filon. Avec quelques secondes à faire et on n'aura pas le temps d'un dernier tir. C'est ainsi que ça va se terminer. Une première période à l'avantage des Vulcains qui ont été les seuls à s'inscrire la marque à deux reprises. Tout d'abord à 8 minutes 12, le sixième des séries de William Bélan avec des aides à Julien Lachance et Tristan Francoeur. Et à 15 minutes en avantage numérique, le premier de la série de Noah Larrivé, aidé de Hugo Léveillé et Félix Gagnon. Donc 2 à 0 la marque en faveur des Vulcains après 20 minutes de jeu. Demeurez là, nous on sera de retour pour la description de cette deuxième période.
les joueurs des Vulcains qui font leur apparition sur la surface de jeu. Ils seront suivis dans quelques instants par les Filons. Les Filons qui tirent de l'arrière 2-0 après une période de jeu. Cet après-midi des cheminots de Saint-Jérôme qui ont éliminé le collège Jean de Brébeuf remporte la série 3-1 alors que les pionniers de Rimouski ont forcé la tenue d'un 5e et décisif match face aux Dynamiques de Saint-Paul l'emportant 11-4 cet après-midi. La deuxième est en cours. Le défaussé à Castonguay maintenant pour Côté entre en zone adverse. Ça a été effleurant défensif par les Filons et contre-attaque qui s'amorce avec Pépin. Tire dans le coin de patinoire, derrière le filet, récupère. Tente de remettre devant, ça lui revient. Pépin sur son revers jusqu'à la ligne bleue. La remise de Saint-Laurent, c'est pour Callum Renault en direction de Saint-Laurent, mais on a anticipé le tout de la part de Côté. La remise de ce dernier vers Franqueur, à 2-1 avec Bélan. Sur réception, Bélan a tenté un tir fan d'air. C'est conservé par Castonguay à la ligne bleue. Son tir à lui rate à la droite du filet. Défaussé qui se porte à l'attaque. A quitté son poste de défenseur, entraîné dans le coin de la patinoire, perd le disque aux mains de Fachon, qui tente de remettre un peu plus loin, mais ça reviendra à Castonguay à la ligne bleue. Remise de ce dernier, finalement à la feinte dans le coin. Intervention de Renault en défensive. Passe soulevée qu'il n'a pu être saisi par Pépin. Ce sera fait par Défossé à la ligne 2. Attend l'arrivée de Marquis qui venait de sauter dans la mêlée à la place de Castonguay. C'est lui, Marquis, qui s'empare du retour. Autour de Défossé, de s'amener. Cède sa place à l'éveillé maintenant. Les changements qui se complètent du côté des Marquis vont faire de même chez les Filons. Rondelle qui vient de quitter le territoire et il y aura autre infraction. Et à nouveau, ce sont les Filons qui seront chassés. On devra faire preuve davantage de discipline du côté des Thetfordois. Déjà, les Vulcains ont profité de leur premier avantage numérique pour s'inscrire à la marque. Cette fois, c'est Rémi Majot qui en a pour 2 minutes. L'infraction qui survient à 1 minute 25. Les Filons devront se défendre à court d'un joueur. Encore à la mise en jeu face à Dumont. Ça ne fera pas de maître, sinon Dumont qui a réussi à pousser le disque jusque derrière la cage des siens et ça va permettre un premier dégagement. Ce sera saisi par Défossé derrière son filet. Thomas Défossé jette un coup d'œil, laisse derrière à l'intention de Matteo Castonguay qui va retourner en direction de son coéquipier. Oh, c'était le 29, celui-là, si je ne m'abuse, Gagnon, qui a trébuché. Et... Non, c'était le 79, pardon, Bélan. De Défossé. Défossé sur lui-même, un 360 degrés. Ça mène au centre, pourchassé par Dumont qui tente de lui soutirer le disque, mais n'y parvient pas. Remise arrière à Castonguay, puis vers Bélan, feinte de tir frappé. La remise était en direction de Défossé, mais il était hors position à Castonguay, à Défossé maintenant. Défossé couvert par Dumont, retourne le disque à Castonguay. Son tir s'est conservé par le gardien des Filons avec la mitaine, effectue l'arrêt. Et Vigneault qui ne cède pas de retour là-dessus. 57 secondes écoulées à la punition de Majot. Les Vulcains qui mènent 2-0 dans ce match, 2-1 dans la série. Le dernier match de la saison 2023-2024 pour les Filons à domicile, puisqu'évidemment, même en cas de victoire, disputerait le match de demain à Victoriaville. Et advenant également une victoire là-bas, ben, les séries demi-finales et finales seront disputées à Drummondville. Donc, dernier match, et c'est un but de l'arrivée en avantage numérique. Un autre!
l'autre pour les visiteurs. Le tir de l'arrivée de la pointe, à moins que ça ait été dévié devant, je ne pense pas. On attendra la confirmation. Punition coûteuse à Rémi Majot et ça va de mal en pis pour les Finons. On paye le prix pour son indiscipline. Les Vulcains qui avaient profité de jeu de puissance pour inscrire 5 buts dans les 3 premiers matchs et ils en ajoutent 2 autres ce soir. 2 de leurs 3 buts avec l'avantage d'un homme. La pente sera brute pour les Finons. Richard, à sa propre ligne 2. Tente la sortie, reçoit l'aide de son coéquipier Tousignan. Rondelle qui a quitté le territoire des Vulcains pour avant d'y revenir. Remise en direction de Normand Pied, qui se contente de faire dévier. C'est repris par Tousignan derrière le filet. Normand Pied travaille dans le coin, aux prises avec deux adversaires. Finalement, c'est Paul Duc qui s'empare du disque d'une seule main, transporte jusqu'au centre. C'est récupéré par Ducharme. Un tir de loin. L'éveillé ou l'arrivé sera le premier. Laisse en direction de Bugeaud. La remise pour Normand Pied. Et de l'autre côté pour Richard, mais hors-jeu qui est appelé. On devra reprendre à la droite du gardien Justin Hull. Alors que le troisième but des visiteurs, ben, tout indique qu'il a été dévié par Julien Lachance. On lui crédite le but, son premier de la série, avec une aide à Noah Larrivée. C'est lui qui avait tiré de la ligne 2, du point d'appui. Un but donc en avantage numérique, un deuxième ce soir pour les Vulcains. Ça survient à 2 minutes 37 dans cette deuxième période. Renault en direction de Fecteau. On amorce la sortie territoire, mais intervention de Bélan pour retarder la sortie. Vers côté maintenant, côté. Plaqué, tente de conserver le disque. On est à 4. Finalement, c'est l'intervention de Francard qui permet aux siens de conserver le disque et l'attaque en vie en territoire Tetfordois. Rondelle qui est bloquée. Ça va effleurer le filet protecteur. Le coup de sifflet qui se fait entendre. Les changements commandés par les deux entraîneurs. 16 minutes 6 secondes à faire dans cette deuxième période. Les Vulcains qui sont en parfait contrôle jusqu'à maintenant. Domine 3-0. Les Finons qui, depuis le début de cette série, avant le match de ce soir, n'avaient inscrit qu'un seul but à égalité numérique. Et c'est toujours le cas, évidemment, puisqu'ils sont blanchis jusqu'à maintenant. Donc, un but sur les 8 inscrits jusqu'à maintenant dans la série. Jeu qui se déroule, qui se déplace en territoire des Vulcains. Un tir de la ligne bleue, c'est bloqué. Le retour qui est débattu dans le coin. Finalement, c'est Marquis qui va reprendre. Et autre coup de sifflet qui se fait entendre. Les Marquis, cette fois, sont visés par l'officiel pour obstruction. C'est l'éveillé qui est le joueur pris en défaut. Il le sait. Il va prendre place au banc de punition. Alors que l'officiel confirme l'infraction. Ben là, c'est impératif pour les Finons de marquer, de réduire cet écart-là, qui est de 3. Saint-Laurent s'installe à la mise en jeu pour les Finons. C'était devant Mathieu, remporté par les Finons. Dumont, en direction de Saint-Laurent, derrière le filet, devancé, plaqué par Desfossé. La remise est bonne à la ligne 2 pour Renault. Puis il y a Dumont maintenant. De Dumont, de l'autre côté. Vers, je pense que c'est Bonhomme. La remise devant le filet, la rondelle est libre et on a pu compléter la manœuvre. C'était le 96, Hébert et non Bonhomme, de notre position difficile d'identifier. Renault transporte au centre, jusqu'en zone adverse. Renault s'est récupéré par Saint-Laurent qui se levait derrière. Il y a Dumont maintenant, le tir du poignet, rondelle qui est libérée. Un autre retour concédé par le gardien Hull et la rondelle qui va quitter le territoire. Félix Hébert revient. La remise au centre. Vers Dumont maintenant. 1 minute 10. À l'avantage numérique des Finons. Dumont, remise arrière. On tente de déplacer la boîte défensive formée par les 4 joueurs des Vulcains. Renault, couvert par Côté. La remise en direction de Tardy qui n'a plus emparer du disque. Et Côté va lui-même dégager et ça va permettre des changements complets
par les deux entraîneurs. Au centre, Renaud à nouveau. Renaud a failli entrer en collision avec son coéquipier Pépin et ce sera descente à 2-1 du côté des visiteurs. Tentative de remise de côté en direction de Francaire. On n'y est pas parvenu. Et on va revenir du côté des Finons avec une vingtaine de secondes au jeu de puissance. Remise à Hébert à la ligne 2 qui va retourner pour Bolduc. Tir du poignet. C'est repoussé, retour libre dans le coin. Defecto en direction de Bolduc et c'est demeuré tout juste sur la ligne bleue. Ça se poursuit. Et dans 8 secondes, l'éveillé sera de retour dans la mêlée. Et cette fois, Bolduc n'a pu conserver le disque. C'était hors de portée. Rondelle qui est conservée au centre. Majot, on est de retour avec des formations complètes à 5 contre 5. Une remise qui est trop longue pour Pépin. Ce sera un dégagement refusé au Filon. Quelques avantages numériques là pour les Filons. Ils n'ont pas été en mesure d'en profiter. Alors que les Vulcains, eux, ont inscrit 2 de leurs 3 buts à la faveur d'avantages numériques. Rondelle qui ira en direction de Castonguay. Se contente de rejeter dans le coin. C'est bataillé derrière le filet. Bonhomme aux prises avec son rival. C'était le 29, Félix Gagnon. Et ça permet un tir, celui-là, de la part de Gilbert, derrière le filet. On va tenter d'organiser la sortie chez les Filons. Et il n'y a pas beaucoup d'ouverture. Gilbert qui fait du bon travail devant le filet de son rival Vigneault. Finalement, c'est le plongeon de Poulin qui va permettre aux siens de sortir jusqu'au centre, mais on perd également le contrôle du disque. La remise de défaussé, ça se retrouve chez les spectateurs. Courte séquence. Donc, ils n'ont pas beaucoup d'occasion de travailler en territoire adverse. Beaucoup de pression exercée par les Vulcains dans cette deuxième période. Contrôle le jeu. Cousigny en face à Saint-Laurent. C'est finalement Bugeaud qui va retourner tout le monde en territoire des Filons. Bolduc sur son revers, puis finalement il retourne sur son côté droit, dégage jusqu'au centre. Pépin voit sa passe à lui interceptée par l'arrivée. Il transporte en zone adverse en direction de Normand Pied. Ce dernier qui tente de protéger le disque, mais il perd aux mains de Vachon. La remise de ce dernier, c'était tenté et bien pensé en direction de Pépin, mais intervention en défensive du côté des Vulcains. On doit revenir au centre chez les Filons. Un tir de loin et encore une fois, ça franchit la rampe pour se retrouver chez les spectateurs. 12 minutes, 12 secondes. Le temps a écoulé dans cette deuxième période. Un seul but inscrit dans cette deuxième jusqu'à maintenant. Le premier des séries de Julien Lachance avec une aide à Noah à l'arrivée. En avantage numérique à 2 minutes 37. Les deux autres marqueurs pour les Vulcains en première période. William Bellan et Noah l'arrivée. Justin Hébert tire dans le coin. Ce sera repris par l'éveillé. L'éveillé qui a participé à 2 des 3 buts des siens, donc. En direction de Mathieu maintenant. Mathieu transporte avant de remettre vers son coéquipier. C'est le capitaine Roux. Remise arrière à Marquis. On s'en tire à lui qui rate la cible de peu. Rebond qui ira sur le bâton de Tardy, mais c'est neutralisé à la ligne bleue. Conservant en territoire Tedford-Ouest. Collision entre les deux capitaines, Roux et Tardy. En se retournant, c'est Hébert qui tente le dégagement, neutralisé par l'éveillé. Il tente de s'avancer. Perd le disque aux mains de Tardy. Et c'est lui qui entre en quatrième vitesse, en zone adverse. Cherche un coéquipier. C'était en direction de Félix Hébert. Collision entre lui et Roux, les deux joueurs qui chutent. Relais à la ligne bleue. Vers Denoncourt qui tente de s'avancer. Ça a été bloqué en défensive par Marquis. Dévié dans le coin. À Renault maintenant. Un tir qui est dévié, mais tout juste hors cible. Récupéré par Marquis. C'est lui qui transporte. Franchit le centre. Et rappelé au banc par son entraîneur, retourne le disque profondément chez l'adversaire. De là, c'est repris par Renault. Une feinte devant Francaire. Un relais accepté par Fecto au centre. Fecto entre en zone ennemie. Fecto conserve le disque. Il joue un défenseur. Tente de remettre devant. On l'a accroché. Il y aura une autre infraction de signaler aux dépens des Vulcains. Alors que le gardien Vigneault cède sa place à un sixième patineur. Et au moment où Castonguay touche au disque, on entend le coup de sifflet. Un autre avantage numérique pour les Filons.
tôt ou tard, devront profiter de leurs occasions. Cette fois, pour avoir accroché, je pense que c'est Castonguay. Oui. Mathéo Castonguay est chassé pour avoir accroché. Ça survient à 9 minutes 16 secondes. Saint-Laurent devant Bélan à la mise en jeu. Rondelle qui est déposée. Ce sera finalement saisi par Côté. Côté choisit de revenir dans le coin et de là, il va d'un dégagement. Et ça pourrait se transformer en passe pour Bélan puisqu'il devance Renault. C'est lui qui s'empare du disque. William Bélan gagne de précieuses secondes pour les siens. La remise est pour Côté. Lui-même revient dans son territoire. Laisse à défausser et ce dernier va y aller d'un dégagement. Et avec tout ça, il y a déjà 25 secondes d'écoulée au jeu de puissance des Filons. C'est transporté par Carl Moreno. Laisse sur sa gauche à Saint-Laurent. Entre en zone adverse. Saint-Laurent retourne en direction de Renault. Passe pour Dumont à la ligne bleue. De l'autre côté, un tir qui est bloqué en défensive. Et c'est Hébert qui a vu son tir bloqué. Ça va forcer les Filons à revenir à leur propre ligne bleue. Et à nouveau vers Saint-Laurent, attendu en défensive qu'il était par Défossé. Défossé reprend, tente le dégagement, n'y parvient pas. Félix Hébert s'avance dans l'enclave, la remise sur sa droite. Le tir, oh, qui ne viendra pas finalement. On a raté la cible du côté des Filons. L'occasion était idéale à la ligne 2. Rondelle perdue cependant par Hébert et ça va permettre un autre dégagement jusqu'à l'autre bout avec 47 secondes maintenant. Avant le retour dans la mêlée du joueur chassé, c'est chez les Vulcains. On a jugé hors-jeu à l'entrée du territoire des Filons. C'est ce qui explique le coup de sifflet qu'on vient d'entendre. Avec 9 minutes 29 à faire à la deuxième période, toujours 3-0 en faveur des Vulcains. 45 secondes à l'avantage numérique des Filons. Rondelle qui, au départ, se retrouve au banc des Vulcains. On devra reprendre du même endroit, tout juste à l'extérieur territoire de Ferdois. Millette à la mise en jeu face à Pépin. Ce sera gagné par Millette et l'arrivée qui va retourner le disque profondément chez l'adversaire. Repris là par Bolduc. Derrière son filet. Bolduc, oh, la passe qui a été effleurée par Gagnon. Ça a forcé un dégagement des Filons, mais on était en avantage numérique et ce sera donc refusé à la formation de Thetford. Un peu de cafouillage là-dessus. 30 secondes au jeu de puissance. Les Filons qui tirent derrière par 3. On s'installe pour la reprise du jeu. On tente de remettre la rondelle en jeu. C'est fait finalement. Ce sera repris par Bolduc. Contourne son filet. Amorce la sortie. La remise qui était finalement destiné à Hébert. C'est lui qui transporte en compagnie de Majot. Laisse glisser le long de la rampe. C'est repris par Fecteau. Fecteau qui chute. Réussit la remise pour Pépin. Bataille entre ce dernier et Marquis. Ça ira à la ligne bleue. Plus que 5 secondes avant le retour de Castonguay dans la mêlée. Le temps d'un tir. L'arrêt. Il n'y aura pas de retour là-dessus. Bon tir. Bel arrêt de la part de Justin Houle. On ne l'a pas beaucoup mis à l'épreuve en deuxième période du côté des Filons. On va se méfier là, du côté des arrières des Filons avec une seule seconde avant la sortie de Castonguay du banc de punition. Mathieu semble en être conscient. Oui, se replie. Castonguay est rappelé au banc et cède sa place à la chance. Alors que le jeu a repris. C'est lui la chance qui s'empare du disque. Voit sa passe interceptée cependant. Ça revient de Ducharme vers son coéquipier. Et Poulin, c'était trop long pour ce dernier. Charbonneau, à son tour, va tenter sa chance. La remise pour Poulin. Du côté des Filons, on n'est pas en mesure de conserver le disque très longtemps. Il y a toujours un joueur sur le porteur du disque. Cette fois, c'est la chance qui se fait bloquer la route par Mathieu. Félix Mathieu transporte, perd le disque et tente de reprendre. Finalement, le perd aux mains de l'arrivée. Échec avant de Poulin sur l'arrivée. Ça permet à Charbonneau de tenter de reprendre. Mais ennuyé par la présence de Bugeaud et le dégagement, tentative de dégagement ce dernier, d'abord annulé, puis finalement à deux contre un, on s'amène chez les Vulcains. Le tir, ça a été effleuré par le gardien. Le jeu se poursuit, l'attaque surtout du côté des Vulcains. Un tir d'un angle fermé, se repoussé par le gardien Vigneault.
Bataille le long de la rampe. C'est toujours conservé à l'intérieur du territoire des Filons. Finalement, Testoula en direction de Hébert. Collision avec un juge de ligne. Tout le monde qui chute. On se relève. Alors que Bugeaud va remettre vers Normand Pied. Bugeaud demande à être remplacé. C'est transporté par Normand Pied. Père. Et c'est Félix Hébert. Un long détour dans son territoire. Félix Hébert. C'est touché par Normand Pied. On revient derrière le filet de Vigneault. Wolduc a voulu venir prêter main forte à son coéquipier. Et finalement, ce sera repris par Dumont. La remise de ce dernier s'était tentée vers Tardy. Dumont reprend lui-même. Dumont tente de se défaire de la surveillance de Richard. Un relais qui était destiné dans l'enclave. Repris par Tardy. Remise arrière. Mise en échec de Fecteau qui s'empare du disque. Le relais qui manquait de précision à l'intention de Hébert qui doit revenir dans son territoire. Des changements en cours du côté des Filons, c'est ce qui explique pourquoi Hébert vient patienter derrière son filet. Sorti du côté droit. Hébert transporte au centre. Un tir rabattu par Desfossé qui dégage aussitôt jusqu'à la ligne bleue adverse. Cette fois, c'est Bolduc qui va reprendre. Bolduc. Un relais qui est intercepté par Francœur, mais oui, côté n'a pas eu le temps de réintégrer le centre. Hors-jeu qui est signalé. On va reprendre à l'extérieur du territoire des Filons. Cette fois, Saint-Laurent qui aura gain de cause sur Bénin. La rondelle qui est bataillée entre quelques joueurs devant le banc des Filons. Finalement, c'est Pépin qui a tenté de remettre plus loin l'intention de Vachon, mais la manœuvre qui n'a pas fonctionné. On doit revenir au centre, puis jusqu'en territoire défensif. Denoncourt qui a reçu de Saint-Laurent remet vers son coéquipier en défensive. Pépin maintenant qui n'a plus quitté son territoire. Jeu qui est intercepté. On va s'amener du côté de Saint-Laurent. Laisse pour Pépin, entraîné dans le coin, plaqué par Desfossé. Saint-Laurent qui poursuit néanmoins le travail. La remise de Denoncourt de l'autre côté à Renault. Tire frappé de ce dernier, ça rate la cage. Retour qui est libre. Denoncourt qui s'assure de conserver le disque chez l'ennemi, mais une deuxième tentative qui sera fructueuse pour les Vulcains. On dégage en zone adverse. Fecteau, devant le banc des siens. Fecteau qui travaille sur son revers, perd le disque. Ce sera repris par Bélan. Bélan, il est rapide, tente de déborder. Denoncourt s'est fait le tir de ce dernier. Et c'est l'arrêt de Vigneault. Belle manœuvre de la part de Bélan. Le jeu qui revient le long de la rampe. Un tir de la ligne bleue de l'éveillé. L'air avec le bloqueur. Retour qui est débattu dans le coin. Et on va amorcer la sortie avec Fecteau. Fecteau par la rampe. C'est Majot qui tente de s'emparer du disque. Devancé par Millette. Millette qui est ennuyé par la présence de Fecteau qui fait du bon travail sur cette séquence. On se met à deux pour bloquer la route de Gagnon. On remet de l'autre côté vers l'éveillé cette fois. Tente d'échapper à son couvreur. Ça revient cette fois du côté de Gilbert. Un tir dans le coin. Le premier rendu sera Félix Mathieu, mais collision avec son rival l'arrivée. La rondelle est maintenue en territoire Thetford Webb. Punition en retardement. Je pense que ce sont les Filons qui seront chassés là-dessus. Oui, c'est confirmé lorsqu'on touche au disque. Les Filons qui devront écouler une autre infraction. Celle-là, à nouveau à Majot, si j'ai bien aperçu, oui. Pour une deuxième fois dans le match, pour un coup à la tête, selon le geste de l'officiel. L'officiel qui discute avec un juge de ligne. Est-ce qu'on a identifié le bon joueur? C'est peut-être ce qu'on demande. Vous le percevez à l'écran. Discussion. Et finalement, on semble convenir que c'est la bonne décision. 2 minutes donc à Rémi Majot et avantage numérique à nouveau des Vulcains. Ils ont marqué 2 fois sur le jeu de puissance depuis le début du match. Rondelle qui se retrouve au centre. Desfossé revient dans son territoire. La remise est bonne pour Francœur. Sur sa droite à Mathieu maintenant. Mathieu s'avance dans l'enclave, décoche un tir. L'arrêt est effectué, mais on a pu conserver le retour du côté de Vigneault. Ça ira vers Castonguay maintenant. Relais à Desfossé. Une feinte. Pour Bélan, son tir à lui est bloqué devant. Le retour qui appartient à Mathieu. Et ça revient de nouveau vers Francœur. Francœur à la ligne bleue. Un relais qui manquait de précision pour Castonguay. C'est le capitaine Tardy qui en profite pour dégager jusqu'à la ligne bleue adverse. On revient rapidement vers Bélan maintenant. Bélan
entraîné dans le coin par Charbonneau. Le relais est bon. De l'autre côté, sur les buts! Marqué par le numéro 11, Mathieu. Et c'est 4-0. Un troisième but en avantage numérique pour les Vulcains ce soir. Eh bien, c'est l'histoire du match. Les Vulcains qui profitent de toutes leurs occasions. Les Filons qui leur offrent des occasions et on en tire profit. Ce sera assurément Mathieu qui sera crédité du but. Attendons voir le sommaire officiel. On ne nous l'a toujours pas communiqué pour l'instant. Ça ne saurait tarder. On y reviendra. Alors que l'annonceur maison en fait la mention. Majot qui pourchasse Bugeaud, l'entraîne jusque derrière son filet. Et ce sera conservé à la ligne bleue par Hébert. La remise pour... c'était bonhomme celui-là, son tir à lui a raté. Et on devra revenir au centre, autour de Bolduc. À Hébert, pour bonhomme maintenant. Bonhomme contré par Normand Pied. C'est conservé en territoire des Filons. Un peu plus de 3 minutes à faire maintenant à la deuxième période. Fecteau en direction de Hébert. C'est un peu long pour ce dernier. Ça revient à Bonhomme. Bonhomme pour Fecteau dans l'enclave. Fecteau tente de s'avancer davantage. Le tir bloqué. Et le retour appartient à Bugeaud. Pour Gagnon qui quitte son territoire. Et ce sera pourchassé par Gilbert. Félix Hébert toutefois qui reprend devant son rival. Rejette le disque au centre et la remise en direction de Vachon est trop longue. Ça va constituer un dégagement refusé aux Filons qui devront subir une remise en jeu dans leur territoire. Pendant ce temps, on nous a communiqué l'auteur du quatrième but. C'est bel et bien Benjamin Mathieu avec son deuxième de la série. Une aide au numéro 79, William Bellin, qui fait de l'excellent travail. Elle avait inscrit le premier des siens. Et le capitaine Benjamin Roux également reçoit une mention d'aide. Tout ça à 16 minutes 14 en avantage numérique. Un troisième ce soir pour les Vulcains. C'est 4-0. Disque transporté par Pépin. Tire de loin, s'allonge la rampe. Saint-Laurent sur le retour. Plaqué par Marquis. C'est repris toutefois par Bélan. Une feinte, puis s'amène au centre. Bélan sur son revers. C'est complété par Côté. De Côté maintenant. À l'éveiller le tir. Autre punition d'appelé. Et qui sera chassé cette fois? À nouveau, les Filons, si je ne m'abuse. Callum Renault peut-être. Discussion entre les deux officiels. On dit obstruction. Ça semble bel et bien être Callum Renault, le numéro 17, le défenseur des Filons. Punition qui survient à 17 minutes 43 secondes. Si on regarde jusqu'à maintenant, c'est 3 en 4 au niveau des avantages numériques du côté des Victoriavillois, 0 en 3 pour les Filons. Donc 75% de réussite jusqu'à maintenant ce soir en avantage numérique pour les Vulcains. On devra reprendre la mise en jeu. À la droite, le Vigneault. On a bougé. On reprend place. C'est gagné par Francoeur. À défausser pour... Gagnon. Un tir qui est dévié et finalement, c'est immobilisé sous la jambière de Vigneault. Vigneault qui ne pouvait pas grand-chose sur les 4 buts concédés. 3 en avantage numérique. 2 minutes 9 à faire à la deuxième période. Rondelle saisie par Félix Mathieu au départ et son dégagement se remonte jusqu'à l'autre bout. Sorti de Hull derrière son filet, voyant que Dumont s'amenait rapidement. La remise vers Bélan. À défausser maintenant. Défausser pour Bélan. C'est complété. C'est lui qui entre en zone adverse. Bélan, plaqué, laisse derrière à Francoeur qui s'avance. Son tir partiellement bloqué. La rondelle qui est toujours en mouvement. Ça revient à la ligne bleue. Vers défausser. Un relais via la rampe à Bélan. À Castonguay. Alors qu'il y a de la circulation devant la cage de Vigneault. Défaussé, à nouveau vers Castonguay. Devant, on s'était bien pensé à l'intention de Bélan qui s'était découvert et
Ce sera finalement un dégagement jusqu'au filet de Hull et sagement choisi de conserver. Voyez que Dumont s'amenait rapidement. 54 secondes écoulées à la punition de Callum Renaud. 4-0, la marque en faveur des Vulcains de Victoriaville qui mènent 2-1 dans cette série. Ils sont en voie d'éliminer les Filons dans cette série 3-5. L'éveillé par l'arrière du filet, c'est pour l'arrivée. On a de très bons défenseurs du côté des Vulcains. L'arrivée, l'éveillé, défaussé. Et le 88, Castonguay, là, on est particulièrement bien nanti à la ligne bleue. L'arrivée laisse pour Gagnon. La rondelle lui échappe. Ce sera repris cependant par Côté qui se retrouvait dans le coin. À Gagnon, le tir de ce dernier dévié. Ça se retrouve dans le filet protecteur. Derrière la cage, défendu par Mathis Vigneault. On est dans la dernière minute de jeu de cette deuxième période. Deux buts inscrits par les Vulcans en première période. Deux autres dans cette deuxième. La tâche sera colossale pour les Filons en troisième période. Si on veut revenir dans ce match et éviter de se retrouver en congé. Testoula tente le dégagement et oui, ça va tout juste quitter le territoire des Filons. Dans 22 secondes, Renaud sera de retour dans la mêlée. Un dégagement qui sera accepté, évidemment, puisqu'on joue à court d'un joueur du côté des Filons. C'est repris par l'arrivée. Rapidement, traverse son territoire, puis le centre en zone adverse. S'arrête, cherche une option. L'arrivée toujours en position du disque. L'arrivée, une feinte devant son couvreur. La punition qui vient de prendre fin. Le tir était celui de Gagnon. Et la rondelle pourra se retrouver chez les spectateurs, tout près de nous, finalement. On doit toujours être vigilant. Peu importe notre position dans les gradins. 12 secondes, 5 dixièmes à faire dans cette deuxième période. Millette déjà installé dans le cercle de mise en jeu. C'est Bonhomme qui va prendre place devant lui. Il l'emporte à la mise en jeu. Félix Mathieu derrière son gardien. Le temps peut-être d'une dernière sortie. Finalement, se ravise, revient sur ses pas. 7 de disque à Justin Hébert. Et c'est ainsi qu'on laisse écouler les dernières secondes de cette deuxième période. Une deuxième période à l'image de la première où seuls les visiteurs se sont inscrits à la marque à deux occasions. Tout d'abord, le premier de la série de Julien Lachance avec une aide à Noah à l'arrivée. Puis le deuxième de Benjamin Mathieu, des passes à William Bélan et Benjamin Roux. Deux buts en avantage numérique. Les deuxièmes et troisièmes du match, donc, sur le jeu de puissance des Vulcains qui, après 40 minutes de jeu au centre sportif Renaud Fournier, secteur Black Lake à Thetford Mines, mène 4-0. Sur les finaux du cégep de Thetford, on sera de retour pour la description de la troisième période.
joueurs des Vulcains accueillis à leur entrée sur la patinoire par leurs très nombreux supporters qui ont fait le déplacement jusqu'à Thetford ce soir pour les encourager. Et ils ne le regretteront pas jusqu'à maintenant, du moins. Ces partisans qui sont choyés par la performance de leur favori. Son sixième, Noah Larrivée avec son premier. Et en deuxième période, le premier de Julien Lachance et le deuxième de Benjamin Mathieu. Mais l'histoire de ce match, c'est sans doute les unités spéciales. Trois des quatre buts des Vulcains réussis en avantage numérique. Ils sont 3-5. Les filons de leur côté, 0-3 en pareille situation. La troisième est en cours, mesdames, messieurs. On vous en souhaite une bonne. Renault au départ s'empare du disque. Le laisse pour son coéquipier de Noncourt. Au centre, c'était destiné vers Bonhomme. Jeu intercepté par Bélan. Bélan, le meilleur des siens. Il va d'un tir se repousser. Rondelle qui est libre. Ça revient dangereusement dans le demi-cercle du gardien. Des filons qui conservent le disque en sa possession. On va reprendre à sa gauche. Déjà une première incursion en territoire des filons dans ce début de troisième période. Et les deux entraîneurs qui vont apporter des changements à leur formation. Mathieu s'installe pour la mise en jeu du côté des Vulcains. Faisait face à Saint-Laurent qui l'a emporté. Par la rampe, un dégagement. Ce sera repris par Desfossés au centre. Puis Paul Duc qui perd aux mains de Lachance. Lachance amène à un contre un seul défenseur pour lui faire face. Lachance perd le contrôle du disque aux mains de Paul Duc qui tente le dégagement par la rampe. C'est conservé à la hauteur de la ligne 2. Finalement, ça se retrouve au centre. C'est rejeté par Roux. Pépin va tenter sa chance à son tour. En direction de son coéquipier Vachon, mais devancé par Roux. Rondelle qui longe la rampe en territoire des Vulcains. Et ça se retrouve au centre. Repli défensif de Vachon. En direction de Denoncourt, trop long pour celui-ci. Attention, ce sera peut-être l'échappée du côté des Vulcains. Un tir du revers et collision. Par la suite, c'était Gilbert qui s'amenait seul face au gardien. L'officiel qui a levé le bras, il y aura infraction là-dessus. Est-ce que le gardien des filons a été blessé? Semble pas. Il réussit à se relever. Je pense que c'est... Est-ce qu'on indique que c'est le joueur des... Filons, les deux joueurs sont chassés. Le joueur des filons, Renault, de même que Gilbert qui est en échappée. Donc les deux numéros 17 qui sont chassés. Est-ce qu'on y va pour un 4 du côté de Thetford et un 2 pour Victoriaville? Attendons la confirmation officielle. Tout ça, ça survient à une minute. Regardons le geste officiel. Du côté de Thetford, 2 minutes pour coup de bâton et 2 minutes pour double échec. C'est bien ce que j'avais vu. Et 2 minutes pour obstruction du côté de Gilbert. On va donc à nouveau se retrouver en avantage numérique du côté des Vulcains. C'est Saint-Laurent au centre qui demande des explications à l'officiel. Donc, 4 minutes. Thetford, 2 du côté des Vulcains. C'est Majot qui va venir purger le 2 minutes additionnelles qui a été décerné à son coéquipier Callum Renault. On va donc reprendre à 5 contre 4. Qui est déposé, c'est remporté par Francœur. Défaussé, qui tente un relais, mais c'est repris par Bélan. Sur réception, le tir était celui de Mathieu. Et le dégagement qui va suivre jusqu'au centre. Défaussé dans son territoire. La remise pour Castonguay. De Castonguay à Bélan. Et pour Francœur, on entre en zone adverse. Relais arrière, c'est pour Bélan. De Bélan à Défaussé, à Bélan à nouveau. Ça revient pour Défaussé. Maintenant, le tir, ça a été dévié par le gardien dans le filet protecteur. Le jeu qui s'arrête. 28 secondes écoulées à la punition des filons. D'autres changements apportés par Toby Lafrance, alors que Nicolas Boucher, lui, demeure son unité intacte dans la mêlée.
Walker à la mise en jeu. Donc pour les Vulcains, faisait face à Poulin. Disque rapidement récupéré par Mathieu. Relais à la ligne 2 de Castonguay. À nouveau vers Mathieu. Derrière pour Francoeur. Francoeur cherche une option. Ça retourne en direction de Mathieu. Mathieu, à la hauteur du cercle de mise en jeu, perd le disque avant de le reprendre. Tente de le protéger. Remet pour Francoeur. À la ligne 2 maintenant. Ça ira pour Castonguay. Et à défausser. La remise sur sa gauche pour Bélan qui s'avance dans l'enclave. Il va d'un tir et l'arrêt de la mitaine. Un beau celui-là de la part de Mathis Vigneault au départ du numéro 79 des Vulcains. On va y aller avec la deuxième vague d'avantage numérique du côté de Victoriaville. 1:03 à l'infraction des Filons. C'est gagné à la mise en jeu par Gagnon au profit de l'arrivée. Pour l'éveiller maintenant, on a deux excellentes paires de défenseurs en avantage numérique du côté des Vulcains. Rondelle qui longe la rampe, ça reviendra au point d'appui pour l'arrivée par la rampe jusqu'à côté. Remise dans l'enclave. Aroux de l'autre côté, le tir sur réception, c'est celui de Gagnon. On est venu bien près d'en inscrire un cinquième et ça va permettre un dégagement des Filons à l'autre bout. L'arrivée va s'emparer du disque. Le contrôle. À sa propre ligne bleue, relais accepté par côté, entre en zone ennemie. De nouveau la remise pour Gagnon. À l'arrivée maintenant, l'arrivée attire un joueur à lui, en l'occurrence Abraham Fecteau. Relais en direction de côté. Côté pour son coéquipier en défensive. L'arrivée à l'éveiller dans l'autre coin. Dans l'enclave maintenant, le tir de roue, il n'a plus tiré à sa guise, ennuyé par la présence de Victor Bonhomme. C'est débattu entre Testoula et Côté, conservé cependant par l'arrivée à la ligne bleue. Plus que 3 secondes avant le retour de Majot dans la mêlée. Un tir repoussé. On est à 5 contre 5 maintenant. Et oh! Majot chanceux, là, il a fait sauter les bâtons, le bâton des mains d'un adversaire, l'officiel qui n'a pas sévi là-dessus. Testoula dans son territoire. On est à forces égales. Intercepté par l'arrivée. Bousculade entre ce dernier et Majot. Majot qui a chuté. Rondelle débattue dans le coin. C'est conservé par Testoula, mais intercepté par Richard qui va d'un tir. Et on veut calmer le tout du côté du gardien Mathis Vigneault qui conserve dans sa mitaine. N'essaie pas de retour là-dessus. Rappelons la victoire un peu plus tôt cet après-midi des pionniers du cégep de Rimouski dépend des Tsamiques de Saint-Foy par la marque de 11 à 4. Les pionniers qui évitent ainsi l'élimination. Force la présentation d'un cinquième match qui aura lieu demain à Rimouski même. Alors que les cheminots de Saint-Jérôme, de leur côté, l'ont emporté face au collège Jean de Brébeuf pour ainsi remporter leur série 3 à 1 et se qualifier pour les demi-finales qui seront disputées la semaine prochaine du côté de Drummondville. Hébert, entre le dégagement, c'est réussi, mais ça lui revient. Intervention de Tousignan au centre, puis à Normand Pied, relais. Repris par Bolduc devant son filet. Bolduc ennuyé par la présence de Richard. Tente de lui échapper. D'une seule main, Bolduc reçoit l'aide de son coéquipier Dumont. À son tour d'être pris en chasse, ça revient à nouveau vers Bolduc. Derrière son but. Vers Justin Hébert. Sorti jusqu'au centre. La rondelle qui colle sur son bâton. Ennuyé par la présence de Gagnon. Ce dernier reçoit l'aide de son coéquipier Millette. Rondelle débattue à la ligne bleue des Filons. Finalement, ce sera repris par Tardy en zone adverse. Tardy, le tir frappé, ça rate la cage. Ce sera conservé par Hébert à la ligne bleue. Un relais vers Dumont, son tir qui rate considérablement le filet et ça se retrouve au centre. Gilbert accroché. C'est repris par Millette qui suivait derrière en direction de Gagnon maintenant. Gagnon sera là le premier. Rejette un peu plus loin et Testoula récupère. Une remise qui a effleuré son coéquipier Hébert, mais il rentrait au banc des siens de sorte que c'est Mathieu qui poursuit son élan. Il va d'une mise en échec et on va sévir à l'endroit de Mathieu. Il y a un joueur des Vulcains qui est demeuré allongé. Je pense que c'est défaussé, oui, qui tarde à se relever. Défaussé finalement qui s'agenouille, se relève. Ça a été un solide contact et Félix Mathieu sera chassé pour cette mise en échec. Les deux officiels qui discutent ensemble. Est-ce qu'on va sévir davantage qu'un 2 minutes?
J'ai percevé les deux officiels et on s'amenait au banc de punition. Alors que Mathieu, lui, semble se diriger vers son vestiaire. Je ne sais pas si on peut l'apercevoir. Oui, notre ami Nathan à la caméra qui va nous amener. On aperçoit Félix Mathieu en discussion avec un juge de ligne. Attendons voir la décision. On dit qu'on va donner de la bande, possiblement. Et oui, Félix Mathieu qui est escorté par le juge de ligne. En direction du vestiaire, il y a discussion entre les deux officiels. On ne semble pas faire consensus pour l'instant. Quelle sera la nature exacte de l'infraction? Chose certaine, Félix Mathieu sera chassé. Il a déjà pris le chemin du vestiaire, a quitté la patinoire. Discussion qui se poursuit. Et là, on va faire part de la décision aux joueurs des deux équipes. Les deux capitaines, Roux et Tardy également, je pense que c'est Saint-Laurent, oui, du côté des Filons, qui écoutent les explications d'un des deux officiels. Pendant ce temps, ce sont les deux juges de ligne qui discutent avec Toby de France au banc des Filons. Le deuxième officiel, lui, est déjà dans le territoire des Filons, prêt à attendre pour la remise en jeu. Et il y a un joueur qui va s'amener pour purger la punition du côté des Filons. Qui est-ce? Le numéro 25, c'est Charbonneau qui est désigné pour la punition. Au tableau, on indique que 2 minutes. C'est donc une punition mineure, mais accompagnée d'une expulsion de match pour Félix Mathieu. Les Bulgains qui vont tenter d'ajouter à leur avance de 4 buts. Ils mènent 4 à 0, dont 3 en avantage numérique. Écoute une annonce. Oui, 2 minutes et extrême inconduite de partie à Félix Mathieu. Sortie de territoire. On est au centre et ce sera intercepté par Denoncourt, mais qui ne peut dégager toutefois. La remise en direction de l'arrivée. S'avance. Le tir sera celui de la chance. Ça rate. Retour récupéré par l'éveillé. Qui conserve en zone adverse. L'éveillé derrière la ligne. Début de la remise pour la chance. Son tir à lui. Partiellement bloqué. Rondelle qui vole dans les airs. Et finalement, on va tenter la sortie, mais c'est neutralisé à la ligne bleue. Mise en échec de Pépin sur le porteur du disque. Et Pépin sera chassé. L'officiel qui a levé le bras. Et on en ajoute du côté des Filons. On va se retrouver à court de 2 joueurs maintenant. Pour double échec, Nathaniel Pépin. Les choses ne s'améliorent pas dans le camp des Filons. De Félix Mathieu, on est inscrit au sommaire, mise en échec par derrière, donc punition mineure accompagnée d'une extrême inconduite de deux parties. On est à 5 contre 3, les Bulgains pour 1 minute 13. Ils mènent déjà 4 à 0. C'est remporté la mise en jeu par Tardy. Et au départ, on tente le dégagement. Ce sera conservé cependant par Bénin à la ligne 2. Relais pour Castonguay. Derrière, à défausser. Tire du poignet par-dessus la cage. De retour qui appartient à Tardy. S'empare du disque. S'élance au centre. À 2 contre 2. En compagnie de Hébert. Tardy laisse à Hébert. Et la remise de ce dernier s'était tentée vers Bolduc, mais il ne s'y attendait pas. Ce sera repris par défaussé. Traverse le centre. Entre en zone adverse. Il s'y arrête. Défaussé. Le relais pour Castonguay. La remise à l'intention de Bénin. C'était un peu long pour ce dernier. Ça revient à défausser à la ligne bleue. Défaussé. Une feinte. Patiente. Encore 35 secondes au double avantage numérique. Le tir de Castonguay par-dessus la cage. Retour qui appartient à Bénin. Et maintenant pour Franqueur. Sur son revers. Se repositionne derrière le filet. La remise sur sa réception. Le tir de Castonguay. C'est 5 à 0. Un autre but. Un quatrième en avantage numérique pour les Bulgains. Eh bien, le jeu de puissance des Bulgains qui aurait été mortel pour les Filons ce soir. 4 des 5 buts. Et c'est pas terminé puisque la punition de Charbonneau à laquelle il restait, bien, en fait, juste de Charbonneau, il purgeait la punition de Félix Mathieu. Il en avait encore pour 22 secondes, mais il en restera 1 et 10 à celle de Nathaniel Pépin. Donc, on va poursuivre cette fois à 5 contre 4 pour les Bulgains. L'arrivée.
pour l'éveiller. Il franchit le centre. Tire de loin. Rondelle qui longe la rampe. Roux tente de s'en emparer le long de la rampe. Ça va à l'arrivée et dans le coin en direction de Gilbert, mais intervention de Testoula. Le dégagement sera bon jusqu'à l'autre extrémité. Alors que Hull positionne le disque à l'intention de son arrière. L'arrivée. Encore 45 secondes au jeu de puissance. La remise un peu longue pour l'éveiller. Ça va profiter à Renault qui retourne les Vulcains chez eux. L'arrivée par la rampe jusqu'à l'éveillé qui laisse glisser pour son coéquipier Gagnon. C'est lui qui va amorcer la sortie de territoire. Gagnon traverse le centre, entre en territoire ennemi, conserve le disque, le protège. Gagnon, la remise pour l'éveillé sur la ligne bleue. À l'arrivée maintenant, à nouveau pour l'éveillé, fin de tir. Et Gagnon maintenant, Gagnon dans le cercle, à l'arrivée, le tir. Ça a été bloqué avec le manche du bâton du gardien. Retour à... L'éveillé s'est débattu devant le filet. La rondelle qui revient sur le bâton de Testoula tente le dégagement, neutralisé par l'arrivée. Un tir, la punition qui se termine à l'instant. Sur réception, le tir, il a frappé l'extérieur du filet. Ça provenait de Gagnon. Et on va tenter de rejoindre Pépin avec une longue remise, mais ça manquait un peu de précision. Le dégagement qui sera néanmoins accepté. Pépin, seul de son camp, perd pied. C'est l'arrivée qui reprend le disque. Ennuyé cependant par la présence de Victor Bonhomme qui le bouscule, l'entraîne dans le coin. Évite la sortie de territoire et devant le filet, ça a été tout juste hors de portée pour Majot. Ça revient à Bolduc. Un tir dévié devant le filet. Majot sur le retour. Reçoit la mise en échec d'un rival et c'était l'éveillé. La sortie de territoire qui s'amorce du côté des visiteurs. C'est effectué par Gilbert. Gilbert, une fin puis une deuxième. Le tir, l'arrêt du gardien. Rondelle qui est toujours en mouvement alors que Gilbert est rappelé au banc par son entraîneur. Rondelle débattue dans le coin entre Tousignan et Bolduc. La remise à la ligne bleue. Le tir était celui de Marquis. C'est bloqué devant. Saint-Laurent, ou plutôt Denoncourt sur le retour. Il chute. Collision avec Normand Pied. C'est lui, Normand Pied, qui reprend le disque. Le laisse derrière pour son défenseur, mais ça quitte le territoire. Et là, ce sont les Vulcains qui sont pris en défaut là-dessus. L'officiel qui indique Normand Pied, 2 minutes. Quelle est la nature de l'infraction? Attendons voir. C'est bien suivi par notre ami Nathan à la caméra. Oh, c'est un 4 minutes pour avoir tardé si j'ai bien interprété le geste de l'officiel. Oui, effectivement, on indique 4 minutes au tableau. Donc, avantage numérique. Les filons qui aimeraient bien en inscrire à tout le moins un premier ce soir. Exactement, 4 minutes pour avoir tardé Normand Pied. On tente de s'insérer du côté des filons. Saint-Laurent, la remise dans le cercle de mise en jeu. C'est pour Pépin, la rondelle lui revient. Ou plutôt, Callum Renault qui s'était porté en attaque. C'était le 17 et non le 97. À Félix Hébert maintenant. À l'embouchure du filet, c'est pour Tardy. Relais dans l'enclave, ça a été intercepté et dégagé à l'autre bout. Première vague d'infériorité numérique qui réussit pour les Vulcains. Roux rentre au banc des siens, cède sa place à Bélan. Pendant ce temps, la remise de Renault vers son coéquipier. La remise pour Renault qui lui-même a poursuivi sa course. Relais derrière à la ligne bleue, à Hébert. De Hébert vers son coéquipier. Renault qui ne peut capter la remise. C'est un peu long pour ce dernier. Bousculade dans le coin. Relais qui vient en direction de Hébert. 2 minutes 56. Un avantage numérique de 4 minutes. Dumont qui rate sa remise et oh, les deux joueurs ont chuté. On va laisser juste poursuivre. Bélan sorti et plongeon du gardien. Vigneault hors de son filet. Et là, la collision entre Majot et Côté. Ça se pousse là qui mieux mieux. Et là, c'est Dumont qui a failli entrer en collision avec son adversaire. Fait chuter Bélan. Et là, les officiels qui laissent tout passer depuis quelques instants. Dégagement des filons alors qu'on était en avantage numérique et... Ah oh, oui! Expulsion. Et des deux côtés. Expulsion du côté des filons et geste antisportif pour Pélan, indique l'officiel. Ben, on a été tellement indulgents sur la dernière séquence qu'il fallait tôt ou tard s'attendre à ce que ça dégénère. Et là, c'est Félix Hébert et William Bélan sont chassés de part et d'autre.
demande des explications du côté des Vulcains. Et là, ça m'étonne un petit peu là, la patience qui a été démontrée par les officiels. Il y avait matière à infraction depuis plusieurs secondes des deux côtés. Là. Et on laissait jouer, mais à un certain moment donné, ben, on a dépassé les bornes. Les explications qui sont données à Toby Lafrance. Est-ce qu'on a confirmé le cinquième but des Vulcains? À tout le moins, ben, on le fera si on ne l'avait pas déjà fait. C'était le troisième de Matteo Castonguay, des aides qui ont été attribuées à Tristan Francaire et à Benjamin Mathieu. C'était un quatrième en avantage numérique ce soir pour les Vulcains à 6 minutes 32. Et là, malgré les mineurs doubles décernés, ben, les Finons qui étaient en avantage numérique à la suite de la punition de 4 minutes de Normand Pied, ça va se poursuivre pour encore 2 minutes 24. À 5 contre 4, Thetford, qui tire de l'arrière, 5 à 0. Millette, relais arrière pour Castonguay. Et le dégagement sera complet. Justin Hébert, derrière son but. C'est lui qui va tenter d'amorcer la sortie de territoire. Les siens sont en avantage numérique pour encore 2 minutes 5 secondes. Hébert cherche l'ouverture. Ça entre en zone adverse, dans le coin, sur son revers. C'est Testoula qui va reprendre de l'autre côté, mais perd la bataille et ce sera un autre dégagement. Accepter celui-là, puisqu'on évolue à court d'un joueur du côté des Vulcains. Hébert, la remise sur sa droite. Cette fois, c'est transporté par Tardy pour lui-même. Devancé par Marquis, il le met en échec. Rondelle qui se déplace d'un coin à l'autre. Un peu plus d'une minute trente à l'avantage numérique Thetfordois. Hébert cherche l'ouverture. Ce sera tentative de dégagement neutralisé. Ça provenait de Marquis, un tir qui rate la cage. Et une autre sortie jusqu'à l'autre bout. Alors que le gardien Vigneault va remettre lui-même pour son coéquipier Hébert. Vers Testoula maintenant. Testoula franchit sa propre ligne bleue, puis le centre. Tire. Rondelle qui longe l'arrière du filet de Hull. Ce sera conservé par Tardy. À intention de Saint-Laurent maintenant. Une minute exactement au jeu de puissance. Adenoncourt qui quitte sa position. Laisse pour Tardy. Tardy manœuvre bien. À l'embouchure pour son coéquipier Saint-Laurent. Un tir qui est bloqué devant. Saint-Laurent sur son propre retour. La remise à Adenoncourt qui s'avance. Le tir. L'arrêt avec le bouclier. Retour dans le coin de la patinoire. Bousculade entre Renault et l'éveillé. C'est Renault qui a chuté. Se relève. 32 secondes à l'avantage numérique. Les Filons qui sont bien installés. Adenoncourt en direction de Dumont maintenant. Dumont veut attirer un joueur à lui. Adenoncourt tire du poignet. C'est bloqué par l'autre 22. Et ce sera peut-être l'échappée de Mathieu. L'angle se referme toutefois. Le tir repoussé. Rondelle libre et ce sera harponné par le gardien des Filons. Il n'y a personne pour reprendre le disque et la punition qui va se terminer dans 5 secondes. Les Vulcains qui auront résisté à un désavantage numérique de 4 minutes. C'est fait maintenant à 5 contre 5. Tardy à sa propre ligne bleue. Un relais pour Renault. Se défait du disque. C'est repris par l'arrivée. On a tenté une remise pour Francard, mais ça a été anticipé, intercepté par Alexandre Tardy. Bousculade derrière le filet adverse. Un peu moins de 7 minutes à faire maintenant à la troisième période et on peut sans doute le dire au match. Côté, ça mène en contre-attaque. Contourne le filet alors que Tousignan se fera en cible dans l'enclave, n'a pu le rejoindre. Ça ira à l'arrivée à la ligne 2. Le tir a touché son propre coéquipier Tousignan. Reprend, laisse derrière. C'était pour Francœur qui n'a pu saisir. Ce sera refait par Poulin. Poulin s'est coupé au centre. Et on retourne le disque derrière la cage de Vigneault. C'est de là qu'on va tenter d'amorcer la prochaine sortie avec Paul Duc. Le relais, ça a été effleuré au centre et ce sera complété par Charbonneau jusque derrière la cage adverse. En confusion, là, entre l'éveillé et Gilbert, les deux joueurs qui chutent, les deux coéquipiers. Par la suite, c'est l'éveillé avec Poulin, celui-là. Je pense, oui. Bousculade à la ligne adverse.
sortie qui s'organise. Du côté des Vulcains, c'est intercepté. Non, finalement, ça se retrouve. Le tir, le but, marqué par le numéro 17, Marc-Antoine Gilbert. On a tenté d'intercepter la ligne bleue des filons et la rondelle qui a atterri sur le bâton de Gilbert qui s'est présenté seul face au gardien. Il enfile l'aiguille. Et il porte la marque à 6-0. Les Vulcains qui ont inscrit deux buts dans chacune des trois périodes. Il reste encore 5 minutes 39 à cette troisième. Les Vulcains qui seront du nombre des formations qui participeront aux demi-finales du prochain week-end. Déjà, les cheminots de Saint-Jérôme sont assurés d'être là. Il y a un autre match également ce soir. Allons voir le résultat. Il oppose les Patriotes du cégep de Saint-Laurent et le boomerang du cégep André-Laurendeau. Les Patriotes qui mènent 2-1 dans la série, mais tirent derrière 5-3 ce soir dans le match avec 10 minutes à faire en troisième période. Donc, c'est une série qui pourrait également aller à la limite, celle-là, et se compléter demain. 6 minutes 16 maintenant à faire dans ce match. 5-3, le boomerang du cégep André-Laurendeau qui pourrait forcer donc la tenue d'un cinquième et ultime match. Tout comme celui de demain à Rimouski. Donc, il y aura deux, après le match de ce soir, deux équipes identifiées pour participer aux demi-finales, soit Saint-Jérôme et Victoriaville. Et les deux autres séries, mais on connaîtra les gagnants demain. Un tir de bonhomme s'est bloqué alors qu'on approche des 5 minutes à jouer en troisième période. 6-0, Victoriaville qui mène. Rondelle qui a été touchée plus haut que la hauteur permise. Et le coup de sifflet qui se fait entendre. Allons voir si on a confirmé l'identité du sixième marqueur. On savait d'ores et déjà que c'était Marc-Antoine Gilbert, son deuxième des séries, de la série. Et des aides attribuées à Félix Gagnon et Samuel Marquis. Un but marqué à 14 minutes 21. Un deuxième seulement ce soir à égalité numérique par les Vulcains. Saint-Laurent pour Renault. Et Attestoula maintenant. C'est lui qui amorce la sortie de territoire. L'entrée en zone adverse, mais arrêté à la ligne bleue par côté. Rondelle débattue au centre. Hors-jeu, oui. Lorsque Pépin en a pris possession, il était déjà à l'intérieur du territoire adverse. Moins de 5 minutes à faire maintenant. À la troisième période. Ce sera Saint-Laurent et Tousignan qui se feront face à la mise en jeu. Pépin qui va s'emparer du disque. Veut le laisser pour Vachon, mais incapable de compléter la manœuvre. C'est débattu en territoire des Vulcains. L'arrivée pour son coéquipier. Et finalement, ce sera la sortie de Tousignan, traîné par Bolduc au centre. Bolduc veut poursuivre sa course. Arrêté à son tour. L'action qui se déroule devant le banc des Vulcains. Pépin maintenant laisse pour son coéquipier un tir de Vachon. L'arrêt avec la mitaine et... Encore une fois, pas de retour concédé par Justin Houle, qui connaît un bon match, je dirais peu sollicité, mais il a fait le travail lorsque il en a eu l'occasion. Un premier départ pour lui dans cette série. Et ses coéquipiers aimeraient bien protéger son blanchissage. Un tir, et c'est à nouveau l'arrêt. Toujours pas de retour concédé par Houle. On va reprendre du même endroit, c'est-à-dire le cercle d'engagement à sa droite. 4 minutes 17, vous l'apercevez à l'écran, c'est le temps à faire dans cette troisième période, dans ce match, dans cette série, avec une avance de 6-0 en faveur des visiteurs ce soir au centre sportif Renaud Fournier, secteur Black Lake à Thetford Mines, c'est-à-dire les Vulcains de Victoriaville et un dégagement qui leur sera refusé là-dessus. De courtes séquences, plusieurs arrêts de jeu là, dans les derniers instants. Les partisans des Filons qui n'ont pas eu beaucoup d'occasion de manifester ce soir demeurent sagement à leur place. Alors que ceux des Vulcains qui ne regretteront pas leur déplacement ont été gâtés. Au centre, Testula qui retourne l'adversaire chez lui. Derrière la cage, ce sera repris par l'éveillé. Ça lui revient. L'éveillé, il va de la sortie. Repris toutefois par Hébert à sa propre ligne 2. Pour Testula, choisit de revenir sur ses pas. À nouveau vers Félix Hébert, ou Justin Hébert plutôt, celui-là. Félix étant l'attaquant, le Justin le défenseur, mais il a été devancé sur sa gauche. Poulin qui n'a plus freiné sa course
comme il l'aurait voulu. Allons voir si le match est maintenant complété entre les Patriotes et le Boomerang. Dernière mise à jour peut-être. Il restait 6 minutes 16. Il en reste maintenant 2 et 19. Et le Boomerang a ajouté un but. Il mène 6 à 3. Donc, assurément, un cinquième match qui aura lieu demain dans cette série pour déterminer le vainqueur et celui qui passera à la ronde des demi-finales. En territoire des Filons, c'est Roux dans le coin. Contourne le filet. Tente d'échapper à son couvreur, c'est fait. Elle arrive à la ligne 2. Le tir dévié devant le filet. Le retour appartient à Roux et il va en ajouter un septième. Eh bien, de mal en pis pour les Filons. Le capitaine Benjamin Roux qui ajoute sa touche. En ajoute un septième pour les Vulcains. Eh bien, c'est pas la sorte de sortie que les Filons auraient espéré pour un dernier match cette saison à domicile devant leurs partisans. Faudra l'admettre, on s'est frotté à un adversaire qui, ce soir, là, était nettement plus dominant. Il a profité de ses occasions, notamment en avantage numérique. Pépin entre en zone adverse. Du côté de Thetford, bien, là, tout ce qu'on souhaiterait, c'est de pouvoir s'inscrire à la marque et à tout le moins en inscrire un et éviter le blanchissage, un tir qui est dévié dans le filet protecteur. Le septième but, allons voir, assurément Roux. Oui, Benjamin Roux, son premier. Des aides accordées à Julien Lachance et à Noah Larrivée. Des points, si on regarde du côté des Vulcains, il y a plusieurs joueurs qui ont participé au pointage. Noël arrivé à un but, deux passes. Julien Lachance, un but, deux passes. Benjamin Mathieu, un but, une passe. Deux passes pour Tristan Francoeur. Un but, une passe pour Benjamin Roux. Deux passes pour Félix Gagnon. Et ça se poursuit. Mais en fait, faisons le décompte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 joueurs se sont inscrits à la marque. Et là, malheureusement, pendant que je regardais le sommet, des Filons. Malheureusement, je n'ai pas suivi le jeu. Donc, je consultais le sommaire du match. Mathis Bajon est le premier à s'amener au banc des siens pour recevoir les félicitations. Donc, est-ce qu'on peut anticiper que c'est lui qui a marqué? Attendons. Sorti au centre. Dumont, relais arrière. Ça ira vers Bolduc maintenant. Bolduc, une feinte, conserve le disque, entre en zone adverse, conserve à nouveau, mais finalement, c'est repris derrière par Dumont. Dumont. Alors qu'on dit que c'est Bolduc qui a marqué. C'est lui, Bolduc, qui va d'un tir frappé. Ça a touché Gagnon pour se retrouver dans le coin de la patinoire. 2 minutes exactement à faire au match. Sortie neutralisée par Bolduc, qui va pourchasser maintenant Marquis. Ce dernier qui s'arrête derrière son but. La remise en direction de Gagnon. Gagnon par la rampe en direction de Gilbert qui finalement va retourner au banc des siens, cède sa place à un coéquipier. C'est la chance qui vient de sauter dans la mêlée. Bolduc par la baie vitrée, un dégagement qui va glisser jusque dans l'autre territoire. Bugeau sera là le premier pour chasser cependant par Charbonneau. Bataille à deux pour la possession du disque. La rondelle qui est immobilisée entre les patins. Intervention de Roux au profit de la chance qui encaisse la mise en échec de Majot. Ça permet au Filon de maintenir l'attaque en territoire adverse, dans le coin. C'est repris par... C'est Majot qui virevolte sur lui-même. Il va d'un tir, l'arrêt cette fois. C'est conservé par le gardien Justin Houle. Et l'on vérifie, on a entendu l'annonceur maison. Olivier Bolduc, son troisième de la série, ou des séries, puisque les Filons avaient disputé une ronde précédemment face aux Genois d'Alma. Et une passe à Antoine Denoncourt à 17 minutes 30 secondes. C'est 7 à 1 en faveur des Filons. Et on entamera dans 5 secondes la dernière minute de jeu de cette série.
Marquis laisse le disque pour Richard en direction de la chance un peu long pour ce dernier. Ce sera un dégagement refusé. Gardien Justin Houle. C'est malheureux pour lui, il a perdu son blanchissage avec 2 minutes 30 à faire. Cependant, ben, les filons ont au moins eu ce moment de réjouissance. Renault, un tir, il y a de la circulation devant. Ça a failli se frayer un chemin jusque derrière le gardien. Dans le coin. On est à plusieurs pour reprendre possession du disque. Finalement, c'est Léveillé qui va s'en emparer par la baie vitrée. Un dégagement. Pardon. Renault retourne le disque au centre. À l'intention de Poulin, mais oui, Renault qui récupère le disque et laisse libre, mais déjà, Richard est à l'intérieur du territoire. Secondes et 6, 10e affaire à cette troisième période. Peut-être la dernière remise en jeu de série. Voyons voir. Dans le coin. C'est repris par Calum Renault. Renault, une longue passe à intention de son capitaine, mais ça a été touché au vol. L'arrivée choisit de revenir sur ses pas, tente de gagner quelques secondes additionnelles. Les dernières dans cette série. Renault, par l'arrière du filet. En direction de Hébert. Une passe qui sera coupée au centre par l'arrivée, qui se contente de retourner le disque chez l'adversaire. Et c'est ainsi que ça va se terminer avec quelques secondes à faire seulement. Ce sera une victoire des Vulcains de Victoriaville qui vont passer au prochain tour. Une victoire de 7 à 1. Ils remportent cette série. Quart de finale, 3 victoires à 1 face aux Filons du Cégep de Thetford qui se seront bien battus tout au long de la saison. Un seul point qui séparait les deux équipes au classement final. Mais ce soir, ben, les Vulcains qui ont dominé cette rencontre et ils ne l'ont pas volé. Une victoire qui leur permettra de poursuivre leur chemin lors des séries éliminatoires. Alors que les Filons, ben, ça met un terme à cette saison 2023-2024. Alors que les joueurs des deux équipes s'apprêtent à y aller de la traditionnelle poignée de main qui mettra officiellement un terme à cette série. On va laisser de côté tous les accrochages qui ont pu survenir, les animosités, un geste très sportif. Et déjà, il y a des discussions au centre entre les deux capitaines, Alexandre Tardy du côté des Filons et Benjamin Roux chez les visiteurs des Vulcains de Victoriaville. Du côté des Filons, ben, on va souhaiter bonne chance aux joueurs des Vulcains pour la suite des choses. Ce sera samedi du côté de Drummondville, les deux matchs de demi-finale entre les quatre équipes demi-finalistes. Et par la suite, le lendemain, match pour la médaille de bronze et la médaille d'or. Alors là-dessus, sur cette poignée de main, c'est le temps de vous laisser le mot de la fin au nom de notre ami Nathan à la caméra, à la mise en onde. Il a été là tout au long de la saison. Merci à Nathan. C'est grâce à lui que vous apercevez ces belles images. C'est Mario Royer qui vous remercie d'avoir été là. On vous dit bonne fin de soirée, bonne saison estivale et à la prochaine. Bye-bye tout le monde.